Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la vidéo, vous allez pouvoir apprendre à confectionner une petite lavette comme ceci pour la cuisine. Donc, elle est confectionnée en coton, 100% coton, puisque c'est une fibre qui absorbe très bien l'eau et qui est parfaite pour réaliser les lavettes. Donc, cette lavette-là est réalisée en demi-bride. Elle est très simple à réaliser. Et ensuite, on termine avec quelques mailles serrées pour terminer l'ouvrage. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre comment réaliser cette lavette, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Donc, nous allons commencer la petite lavette en faisant un nœud coulant. Donc, on fait un cercle, on passe le fil en dessous pour former ceci, on passe le crochet. Sous, la, sous la, le fil du milieu et on vient tirer sur les deux fils. Donc, nous avons notre nœud coulant. Donc, nous allons monter 22 mailles pour réaliser la lavette. On passe le fil sur notre crochet et on passe le fil dans la boucle. Et ainsi de suite. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10 et 22. Donc on peut bien les recompter pour être certain. On compte les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, on va commencer nos demi-brides. On passe le fil sur le crochet et on va venir piquer dans la troisième maille ici. Donc, on passe les deux premières, une, deux, et on pique dans la troisième. On ramène le fil comme ceci. On passe le fil sur le crochet et on passe dans les trois loupes. Et on continue. On passe le fil sur le crochet, on pique dans la suivante, on ramène le fil, on passe le fil sur le crochet et on passe dans les trois loupes. Donc, on continue comme ça tout le long du rang pour, dans le fond, avoir 20 demi-brides comme on a déjà passé les deux premières. Le but était d'avoir vraiment 20 mailles à la fin. Donc, on continue le processus de demi-bride jusqu'à la dernière maille. Donc, j'arrive à la fin de mon premier rang. Il va me manquer une dernière demi-bride pour atteindre mes 20 demi-brides. Donc, je pique dans la dernière maille et je réalise ma dernière demi-bride. Maintenant, nous allons réaliser deux mailles en l'air qui vont nous permettre de tourner notre ouvrage vers la gauche pour réaliser un nouveau rang. Donc, nous continuons nos demi-brides dans la première maille ici, tout juste à côté des, de nos deux mailles en l'air. Alors, nous réalisons à nouveau 20 demi-brides pour terminer le deuxième rang. Donc, je vous laisse terminer le deuxième rang. Donc, j'arrive à ma dernière maille de mon deuxième rang qui est juste ici, la petite maille blanche. Je réalise ma dernière demi-bride. J'ai maintenant terminé mes deux premiers rangs et moi sur ma lavette, j'ai réalisé 14 rangs. Donc, je trouvais que c'était une très bonne longueur pour ma lavette. Donc, je vous invite à continuer la lavette et réaliser 12 autres rangs pour arriver à 14 rangs. Ensuite, nous allons continuer avec la, le contour de la lavette en mailles serrées pour finir en faisant la petite loupe ici en mailles en l'air. Donc, je vous invite à continuer de réaliser vos 12 autres rangs de demi-brides. Donc, j'ai terminé mes 14 rangs de demi-brides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai ma dernière demi-bride à réaliser dans ma dernière maille. Et nous allons ensuite faire une belle bordure pour terminer la finition, puisque, puisque en faisant des, des mailles en l'air sur le côté, euh, ça va être plus joli là, de terminer avec une bordure en maille serrée que de laisser la bordure avec les deux mailles en l'air. Donc, ce que nous allons faire, qui est très très simple, c'est que nous allons commencer par réaliser une maille en l'air et nous allons piquer dans les, dans les mailles en l'air que nous avons faites à tous les débuts de rang. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On pique à travers les deux brins et on fait des mailles serrées. Donc, on passe le fil sur notre crochet et on passe dans les deux loups. Donc il euh, n'y a pas vraiment de science exacte pour réaliser la bordure. On pique dans les mailles en l'air et on s'assure d'avoir les deux brins de fil avant de réaliser la maille. Donc comme ceci, on continue. L'important lorsqu'on réalise une bordure comme ceci, c'est d'éviter de piquer trop loin dans le comme ceci dans l'ouvrage, parce que ça va créer un trou. Puis ça, c'est pas exactement ce qu'on veut. On veut réaliser quelque chose de soigné. Donc c'est vraiment d'y aller avec les les petits brins qui sont vraiment au bord de l'ouvrage. Donc lorsqu'on arrive ici, on tourne et on n'a qu'à piquer vraiment. Dans le fond, c'était notre chaînette de base, donc on pique dans les mailles de notre chaînette de base. Vous allez voir là, c'est assez facile de piquer à travers ces mailles là. C'est plus sur le côté où est-ce qu'on a fait nos nos mailles en l'air que c'est plus plus ardu, mais ici ça va bien. Donc, je vous laisse continuer le tour jusqu'à temps d'arriver au début où est-ce qu'on a commencé. Donc, j'arrive à mes dernières mailles serrées. Et il m'en reste deux à faire. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille serrée que j'ai réalisée. Donc, je pique, je ramène le fil et je le ramène dans ma boucle sur mon crochet. Donc, vous pouvez arrêter votre, votre petite lingette ici si vous ne voulez pas réaliser la petite anneau pour l'accrocher. Mais si vous voulez réaliser l'anneau, c'est très simple. Donc, on va venir faire des mailles en l'air pour réaliser la petite, la petite boucle. Vous en faites le nombre que vous voulez. Et lorsque vous êtes satisfaite de la longueur. Vous venez tout simplement faire une maille coulée dans la même maille où on a fait la précédente. Et on passe le fil. Moi, j'avais déjà coupé mon fil au préalable, mais maintenant, ce serait le moment de couper le fil et de le passer à travers la boucle. Et vous avez terminé votre petite lavette. Donc, il resterait juste à rentrer les fils. Et vous avez terminé votre projet. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!